L'équipe, on se retrouve pour une nouvelle pêche à l'aimant aujourd'hui avec l'équipe. Yes, Ils sont là. Donc après une semaine, hein, une longue semaine sans sortie. il y a le soleil. Il y a le soleil, ouais, on avait une semaine de flotte là, du matin au soir, c'était juste insupportable en mode dépression. Il y avait ça plus la blessure au dos, donc là on s'est remis. Hein, donc aujourd'hui, bah, toujours sur le même secteur, mais on s'est décalé. Donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. On a un temps magnifique, ça fait super plaisir. Avant ça, on va vous montrer dans quoi on a investi. Hein. Comme voilà, hein, comme vous savez, bah, je me suis blessé au dos après toutes les remontées qu'on fait, hein, scooter, moto, etc. Donc à un moment donné, bah, le dos il a pris une claque. Donc là on a investi dans un tire-fort. Et c'est pas un tire-fort de PD, hein. On va vous montrer ça vite fait là. Voilà. Voilà la bête. Hein. Donc avec ça on peut remonter jusqu'à 3 tonnes. On peut remonter 3 tonnes, donc on peut même remonter une voiture, hein, sans souci. Donc ça c'est un bon investissement qu'on a fait. Donc ça c'est nickel. Donc si maintenant on vient à tomber sur... Ah ouais, il y a aussi le grappin, mais c'est plus un grappin, hein, c'est une ancre. Il va falloir le jeter à 3 celui-là. Donc vraiment the big grappin. Donc là on est vraiment dans... On est dans du gros, hein. Donc maintenant il n'y a plus qu'à pêcher du gros. Voilà. Bon, ben je vais avoir pas plus. On vous reprend dès qu'on a une trouvaille. Vous avez une paire de gants, vous avez... Bon, je vous reprends. Premier lancé. Allez, ce qu'on attrape. Un caddie. Voilà. Donc ça annoncerait de la couleur. Hein. Premier lancé, un caddie. Donc aujourd'hui ça va être une big dépollution encore une fois. Allez, on continue. Bon, on vous reprend. La petite affaire, quelque chose là. Oh, un petit pour s'échauffer. Hein. Oh, bah, ça commence. Hein. Ça commence, hein. Un caddie, un vélo. C'est ça que c'est bon. Mais c'est reparti. Allez, on continue. On vous reprend. Hein. On va à peine commencer, on est déjà mort. Hein. On va remonter ça. Une grosse plaque de verre. Hein. Donc voilà pourquoi il faut mettre absolument des gants. C'est une grosse plaque de verre. Hein. Super épais. Super lourd. Ça doit venir là tout le long, là il y a des plaques en verre là. Donc à mon avis c'est une partie du pont. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, on vous reprend. Bon, aujourd'hui on a la dalle, hein. Après une semaine sans sortie, je vous dis qu'on a faim, hein. Voilà. Puis David va nous faire ça, reste d'un caddie. Et là en tout il est sur quelque chose, hein. Ça vient. Ah, vas-y, on vous fait ça en direct. En direct live. Attention, on est en direct, hein, alors sors-nous quelque chose d'extraordinaire. Oh, je suis débloqué. T'as toujours? Je pense. Voilà, il est avec le grappin de géant vert. Hein. Ah, je suis avec Clément, ouais, j'ai lâché. T'es avec Clément là? Ouais, parce que le grappin il... Bon, ça a lâché. Donc, ouais, non. On va essayer de balancer le grappin ou il va essayer Clément. On vous reprend dès que c'est sorti. Bon, l'équipe, je vous prends. Bon, on va vous raconter une petite chose bien rigolote là avec les forces de l'ordre qu'ils ont débarqué avec les tasers et tout ça. Ils sont venus en mode comme s'ils allaient venir chercher Mesrine, hein, je avec sais pas, mais ils sont venus à deux voitures de chaque côté. On a été encerclés en fait. Et en fait, ils ont été appelés parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on était en train de démonter le pont en fait. Donc je sais pas ce qu'ils prennent au petit déjeuner ici, mais apparemment c'est de la bonne. Hein. Donc ouais, petit passage marrant. Ils ont été appelés parce que apparemment les gens ont été dire qu'on était en train de démonter la passerelle du pont. Donc ouais, les gens sont super atteints. Donc bon, après super sympa, hein, les flics. Hein, il y avait la même dame qui était venue la dernière fois qu'on avait appelé pour le scooter et la moto. Donc voilà, ils sont revenus, ils nous ont posé des questions. Voilà, c'était bien sympa. Hein. Et puis si on trouve quelque chose d'intéressant, ils nous ont dit d'appeler. À partir de 13h, parce qu'apparemment ils sont un peu occupés, donc ils ont dit si vous trouvez quelque chose, appelez-nous à partir de 13h. Hein. Ouais, super sympa, mais bon. Ils sont venus avec les tasers à la main et tout, franchement c'était marrant. Donc voilà, petite parenthèse, c'était rigolo, ouais, c'était rigolo. Bon, sur ce, ben, on peut continuer tranquille. Voilà l'équipe, on a trouvé une cliente qui va récupérer la barrière pour dans son jardin. Et donc on a le Snake et le petit Dave qui s'y mettent là. Ah, t'as, il y a le soleil. Allez les gars, allez jusqu'au jardin. Ouais. À t'aller là, hein. On reprend. On est retourné où c'est qu'on a fait tous les vélos.
Et là où il n'y avait pas grand chose. Bon, il y a deux jours, j'ai le président de la fédération de pêche hein, via son fils. Donc on a discuté hein, et en fait, en semaine, lui peut envoyer des gars de la DDE ramasser tout ce qu'on a sorti. Et là, on a été sur le spot hein, apparemment. Tout a été nettoyé. Donc c'est propre, c'est nickel. Puis ben, nous, ben, c'est reparti, on recommence. Hein. Donc on pensait que tout avait été remis à l'eau. C'est pas le cas, donc c'est cool. Donc nous, on continue sur les caddies. Le président normand, il doit nous rendre visite cet après-midi. Hein. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, hein. Voilà, on s'est décalé hein, légèrement de l'endroit de la dernière fois. Puis un deuxième, hein. Donc on va bien s'amuser encore une fois aujourd'hui. Donc c'est cool. C'est cool. Voilà, deuxième caddie en 5 minutes. Allez, on continue. Bon, on vous reprend. Hein. Bon, après les 12 vélos, hein, on va sûrement faire les 12 caddies. Donc encore un de plus là. À l'intérieur, il y avait une petite voiturette là, sympa. Puis une meuf. Un gant. Voilà, donc je vous montre. Et deux. Et trois. Allez, on continue. Qui pour vous reprendre. Bon, je vous montre hein, mon grappin à dedans. Ben, il fonctionne toujours. Hein. Les trois caddies. Et là, je viens de faire un vélo. Voilà, le premier de la journée. Non, deuxième. Deuxième de la journée. Allez, on continue. On vous reprend. Comme quoi, il y en a toujours. Hein. On a un transat. Transat de bébé. Pareil, hein, c'est pas ce que ça fout dans l'eau. Bon, ça, on a déjà sorti les poussettes, hein, donc c'est pas étonnant. Allez, on continue. Bon, on est parti en face. Hein. On était là-bas, on est juste en face. Encore un vélo. Enfin, la carcasse d'un vélo. Donc on va tester là et si vraiment il n'y a rien, on changera de spot. Hein, parce que là, avec tout ce qu'on a fait comme nettoyage, ben, on a bien bossé ici. Hein, donc il n'y a plus grand-chose, donc c'est cool. Allez, on vous reprend. Bon, encore un caddie de plus. Ouais. Kanto il a attrapé avec Clément. Pourquoi sorti de l'eau ? Voilà, ça fait quatrième. Troisième, quatrième, je sais plus. Oh, rien de plus. Allez, on continue. On vous reprend. Bon, comme je dis, logiquement, si on a fait un carton là-haut, en face, ça devrait être la même chose. Puis bon, c'est reparti hein, pour les vélos. Ouais. Ouais, c'est un sacré vélo celui-là. Ouais, nickel. Bah, allez, on continue. J'ai cru que mon aimant était bloqué. Ouais. Bon, on vous reprend. Petit David a fait ça tout à l'heure. Chaise, chaise de bar. Voilà. Bon, on vous reprend. Bon, on n'arrête plus. Hein. Là, je viens de sortir un pneu. Restant dans notre caddie, bien aplati. Et là, juste un instant, portière de give. Donc voilà, ça va être encore une grosse dépollution aujourd'hui. Donc c'était sûr hein, qu'en face, il y aurait des choses. Donc, ouais, ben, le grappin dedans, hein, il marche toujours. Hein, donc nickel. Allez, on continue. On vous reprend. En attendant. Le petit Dave, hein, il est un peu plus loin que nous. Donc il nous a sorti ça, une trottinette. Ça, ça, ça. Il est restant d'un vélo. Voilà. Encore une belle dépollution aujourd'hui. Hein. On se fait plaisir. C'est cool. Ça fait plaisir de pouvoir repêcher. Après une semaine d'absence. Au top. On reprend. Restant d'un scooter. Hein. Donc je pense de ce côté-ci, il y a peut-être moyen de sortir un scooter. On verra bien. Puis accroché, il y avait un beau petit leurre là. Voilà, toujours sympa à prendre hein, quand vous pêchez. Sympa. Allez, on continue. On vous reprend, hein. Petit Dave était bloqué là avec son grappin. Donc je le récupère avec Clément et puis ben voilà, j'ai sorti ça en même temps. Voilà, encore un. Donc je sais pas, ça fait le combienième. Ouais, ça va, ça fait plaisir encore aujourd'hui. Bon, on a encore une bonne partie à faire. Hein. Donc on va avancer et puis on verra bien. Allez, on continue. Bon, on vous montre un peu le bilan de ce matin. Voilà, on a sorti tout ça. Il y en a encore là-bas. Non, pas moi. Hein. Il n'est pas en ferraille. Voilà, donc grosse dépôt. Voilà, on va. Je pense qu'on va aller tester un nouveau coin. Parce que bon, là, ça donne plus. Hein. Voilà, on a fait le maximum ici. Hein. On a nettoyé pas mal depuis quelques jours. Donc voilà, au top. Nickel. Allez, toi, on te voit. Bon, on a changé de spot là, on vient d'arriver. On vient de faire une petite boîte là. Bon, malheureusement, il n'y a rien dedans. Voilà, allez, on continue. Bon, on vous reprend, la pluie arrive. Et là, une deuxième. Malheureusement, il n'y a toujours rien dedans. Si, il y avait ça, je pense que c'est une espèce de petit pot en terre cuite là. Il y a un beau petit caillou. Il y a des inscriptions en dessous, hein. C'est peut-être romain. Hein. Hey.
C'est sûr qu'il y en a plein. Voilà, sympa. Allez, on continue. Bon, on vous reprend, hein, c'est dingue. Une troisième. Toujours avec le même truc là, à l'intérieur. Hein. Et là, des clés cette fois-ci. Voilà, et puis cette fois-ci, il y avait des clés à l'intérieur. Donc le quatrième, il sera peut-être plein, qui sait. Et j'ai dû en faire tomber une tonne. Voilà, ouais, sympa. Hein. Allez, on continue. Je vous reprends un petit poste radio là. Paul Scotty 5, on va pas lui dédicacer, hein, parce que chaque fois que je lui dédicace, il le voit pas. Mais une petite pensée à Scotty. Voilà. Allez, on continue.